Énergie. 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 Biométrie. Robotique. Transport propre. Robotique. Oh, robotique. Robotique. Je saurais pas dire. Innovation, je pense. On est très axé management, mais il y a pas mal d'innovations qui se font dans le technique. Mais plus management. Management. Je vais dire management parce que j'en fais. Innovation. Management de l'innovation. Ah, c'est plus long. Aujourd'hui, je dirais technologie de santé. Tellement aujourd'hui, un domaine qui est plus en développement que l'aéronautique, même si l'aéronautique est toujours en développement, mais on a l'impression quand même qu'il y a déjà beaucoup d'avions. La technologie de santé, c'est un territoire vierge. Je suis dans l'aéronautique, je peux pas... Technologie de santé. Plus aéronautique. Alors personnellement, vu mon domaine de compétences, j'irais plus cybersécurité. S'il fallait absolument choisir entre les deux, je finirais par choisir l'intelligence artificielle, qui, si son nom n'est pas usurpé, finira par développer elle-même la cybersécurité. Je vais dire IA. Intelligence artificielle. Même si ça me fait peur, intelligence artificielle. Ah, un peu des deux. Il y a électronique dans le monde de l'école. Et c'est réputé comme une école d'informatique. Aujourd'hui, ce sera difficile de choisir autre chose que numérique, c'est-à-dire aucun des deux. Mais honnêtement, on veut avoir un spectre qui reste large dans ces domaines. Informatique. Oula, électronique. Informatique. Je préfère l'électronique. L'informatique, les lignes de code, c'est pas trop mon truc. Oh, il faut... L'Arduino, bien sûr, mais sans oublier quand même qu'avec du Lego, c'est bien. Ah, moi, Lego. Mais je pense que le Lego va se transformer en Arduino. On peut mettre une Arduino dans des Lego. Entre les deux, Arduino, j'en ai déjà fait, ouais. Donc Arduino, je pense à Lizen, ouais. Ah bah, Lego, c'est trop rigolo. Moi, plutôt Big Data. Mais je dirais que le Big Data prend de plus en plus d'ampleur. Ça dépend la mode, hein. Mais Big Data.